Bonjour à tous, j'ai pensé faire une mini vidéo de comment faire le point matelas. Premièrement, on met nos deux côtés en parallèle, comme ça, la colonne égale à l'autre colonne de rang. Très important, pas des rangs, mais de points. Avec l'aiguille, on va y aller ramasser deux mailles. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, on fait la même chose. On ramasse deux. Ça s'appelle le point matelas. Mattress stitch en anglais. On ramasse deux, on va de l'autre côté, on ramasse deux. On reste toujours dessus la même colonne. Si vous changez de colonne, ah ben, ça ne marchera plus. Ça va être tout tordu. OK? Donc, on continue comme ça. On ramasse deux mailles. C'est une petite vidéo de moins d'une minute, donc c'est suffisant, je crois, pour voir vraiment comment faire. Parce que je le fais souvent dans mes vidéos, mais des fois, ça va trop vite pour certaines personnes. Et là, mais j'ai pensé prendre le temps et de le montrer tout simplement, doucement. On ramasse deux d'un côté. Voilà. On va chercher deux autres de l'autre côté. Voilà. C'est, tu ramasses la barre qui se trouve à être dans le vide de ton point. Si tu regardes comme il faut, quand tu pinces tes deux... quand tu prends, pas tu pinces, mais quand tu mets tes deux côtés côte à côte comme ça, tu vois qu'il y a une barre entre le V. Quand tu le ramasses avec le bout de ton aiguille Allen. Voilà, la barre elle est là, on la voit. Comme ça, et on va chercher l'autre côté. C'est important, si vous choisissez de faire 1-1, restez à 1-1. Si vous faites 2-2, restez à 2-2. Pour que votre travail arrive tordu, arrivé à l'autre extrémité. OK? Donc, c'est la petite vidéo de la semaine, non? Et on va y tirer, ça fait magique. Voilà, on étire, on fait attention que l'autre partie, on ne tire pas trop. Vous allez voir, on peut tordre le travail. Bon, voilà. On a terminé. On étire pour être certain que les mailles sont correctes. Et c'est tout joli, tout beau. Merci, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.